Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rubik's Cuban. Donc c'est un tour de magie avec des cartes expliquées. Donc démonstration et après explication. Donc j'ai un jeu de cartes complet. Donc on va demander à quelqu'un de prendre. Je vais très mon tas parce que il y a une carte hein, qui m'a mis. Donc voilà, je vais demander au public. Qui demande une carte par exemple, on va dire celle-ci. Voilà, vous la regardez. Attendez, voilà. Moi, voilà, je la vois pas. Je la vois pas. Voilà, donc je crois que vous l'avez vu. Voilà, je le mets au milieu. C'est bon, demi. Juste en cladant, en claquant des doigts, elle va apparaître ici. Je ne suis pas bête parce que elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Donc voilà. Et elle va apparaître ici. Ah, trompé. Donc on va faire un autre truc, donc ça sera encore plus difficile. Là c'est difficile. Donc on les met comme ça. Les voilà, et là je vais retrouver votre carte donc qui est là, qui est dans le tas. Donc vous étalez, vous normalement vous étalez. Donc, je vais prendre ma petite mallette. Je vais prendre ma petite la mallette. Je crois que vous ne voyez pas. Si là vous voyez, non, vous ne voyez pas. Plus bas. Donc voilà. Voilà. Je vais l'étaler normalement. Hein. Attendez. Je vais faire un truc. Bon. Vous étalez par terre. Donc moi j'ai regardé. Et je vais regarder c'est avec quelle carte. Vous allez regarder avec moi. Pas celle-ci. Voilà. Pas celle-ci. Alors normalement. Je vais retrouver votre carte. Et celle-ci qui est pas retournée, donc ça sera celle-ci. Celle-ci. Donc voilà. Pour les explications. Tout de suite. Tout de suite. Donc voilà. Déjà, vous avez votre jeu de cartes. Donc il va y avoir une petite préparation pour ce tour un petit peu impressionnant. Donc voilà, aussi une préparation. Donc vous allez prendre votre jeu comme ça et les attendez, il y a une carte qui est retournée dans moi. Non, ça va. Et si. Donc vous allez prendre les trois, en fait vous avez votre jeu comme ça et après vous le prenez à l'envers comme ça et vous allez prendre les trois dernières cartes, vous allez les retourner comme ceci. Vous prenez les trois cartes, donc commencez ça et vous allez les poser ici mais à l'envers, donc vous les remettez pas comme ça, vous les mettez à l'envers. Pour que ça fait ci et ceci. Ok? Donc vous allez le prendre comme ça. Après, vous allez étaler par terre. Donc, vous mettre plus proche. Non. Ouais. Donc vous étalez normalement par terre. Attendez. Où ça? En fait, j'ai pas de tapis donc. Je peux pas. Ah, c'est bon. En fait, il fallait juste. Donc, vous êtes allé, mais. Vous êtes allé. Et moi. Donc, vous allez pas montrer vos cartes. Donc, vous êtes comme ça. Voilà. Vous le montrez comme ça. Vous montrez comme ça, mais faut pas montrer les trois cartes
les trois cartes qui sont comme ça. Voilà. Donc faut pas les montrer, hein. Faut aller super vite. Voilà, vous les mettez comme ça direct. Et eux, ils vont croire que vous cachez un truc. Donc ils vont prendre les premières. Donc par exemple, elle prend cette. Voilà. Et quand vous montrez la carte, donc ça, là, c'est le as de trèfle, bah, vous allez retourner le paquet. Donc vous concentrez dessus, vous allez rapprocher et vous allez retourner le paquet. Donc ça donne ça. Vous prenez comme ça, vous montrez la carte. Là, vous posez par terre. Et là, vous glissez et vous retournez le paquet. Ok? Et après, donc quand ils ont fini, quand il a fini, vous le mettez dans le paquet. Vous mettez comme ça. Vous le mettez comme ça. Vous la mettez en milieu, on s'en fout. Et là, vous allez croire que les deux premières, on ne va pas prendre les trois. Voilà. Et les deux premières, vous allez claquer par exemple. Ou vous faites glisser ou souffler. Moi, je fais claquer des doigts. Hein. Voilà. Et là, vous allez claquer des doigts. Et vous allez retourner la carte. Mais vous allez dire que c'est celle-ci, mais en fait, vous savez que c'est pas celle-ci. Ok? Très impressionnant. Donc voilà. Donc celle-ci. Et là, c'est celle-ci alors. C'est celle-ci, vous disiez. Non. Donc vous vous remettez à l'endroit, hein, comme ça. Vous avez le paquet, vous les mettez quatre. Donc voilà. Après, vous cochez celle-ci. Celle-ci. Celle-ci qui est comme ça. Vous avez compris? Et donc vous allez mettre comme ça. Et là vous allez retrouver la carte qui est pas retournée comme ça. Retournée à l'envers. Vous allez retrouver, donc c'est celle-ci. Et là vous la retournez et c'est celle-ci. Le as de trèfle. Voilà, la vidéo est terminée. Mettez un j'aime. Mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et au revoir. Donc là je vais vous donner des petites informations. Donc quand vous faites un geste, quand par exemple vous retournez le paquet, voilà, vous retournez le paquet. Vous retournez le paquet. Donc il est comme ça normalement. Et là, quand vous montrez, par exemple, la carte, on va prendre une autre, hein. Un autre habit. Elle a un as de trèfle, comme tout à l'heure. Et voilà, vous mettez comme ça. Et quand vous montrez, vous regardez pas le paquet, vous regardez eux et vous parlez. Par exemple, vous disiez, faut bien la mémoriser parce que après, si vous la perdez, après, faut refaire le machin. Et en même temps que vous parlez, vous faites ça. Vous retournez le paquet tout doucement. Désolé, c'est mon père. C'est mon père. Désolé. Vous retournez le paquet quand vous parlez. Ok? Écoutez bien ces informations parce que ça va vous entraîner et faites-la en ville. Voilà. Vous retournez. Et là, vous remettez. Voilà, c'est un petit machin. C'est un petit truc pour apprendre. Aussi, il y a. Voilà. Non, c'est tout. Bon, au revoir. Au revoir, voilà, j'ai dit comme tout à l'heure, mettez j'aime, abonnez-vous, voilà, mettez des likes.